C'est les 3 minutes, les 3 minutes gadget, c'est les 3 minutes gadget. C'est les 3 minutes, les 3 minutes gadget, c'est les 3 minutes gadget, j'ai moins 3 minutes. Pour mon père gadget. Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu, mais bon, je vais vous présenter la XGO Game Player que j'ai décidé de nommer la Chicken XGO pour faire plus court. Cette vidéo sera courte, mais je devais vous montrer cette ridicule console qui esthétiquement est rigolote. C'est une console porte-clé de 8 bits. Et pour commencer, vous constaterez que la console sera livrée avec une sorte de petite sangle porte-clé ainsi qu'un câble de rechargement micro-USB et une micro-notice. Sur le côté gauche de la console se trouve un bouton de volume ainsi que le bouton marche-arrêt. Sur le côté droit, rien d'autre. En façade, les boutons A, B, X, Y ainsi que la croix directionnelle et à l'arrière se trouve l'enceinte. Ah oui, je ne m'en étais pas aperçu au début, mais vous aurez ici sur le côté gauche le bouton Start et à l'opposé, sur le côté droit, le bouton Reset. Je vais commencer par lancer quelques jeux en commençant par Super Mario Bros. Bon, malgré la qualité quasiment inexistante des boutons, le jeu reste jouable. Vous aurez parmi les 99 jeux quelques jeux réellement sortis sur NES et d'autres jeux que je ne connaissais pas ou qui ont été créés plus tard. Pour le moment, Mario, Donkey Kong, Double Dragon et Tetris fonctionnent correctement, même si nous n'aurons pas la possibilité de sauvegarder ou bien de charger une sauvegarde. J'ai déjà testé des produits de petite taille de bien meilleure qualité avec de la recherche et de la performance, mais ici avec cette Chicken XGO, je n'ai trouvé aucun plaisir malheureusement de jouer. Cela pourrait être un cadeau original car la console vous coûtera la modique somme de 10€ en moyenne, ce qui n'est pas non plus négligeable. Bref, je ne vous recommande pas du tout cette console si vous souhaitez jouer avec, mais pourquoi pas pour le plaisir d'offrir. Je vous l'avais dit, c'était une courte vidéo au début, je me suis dit est-ce que je la mets en ligne, mais bon, vous aurez eu au moins la chance de voir la Chicken XGO à l'œuvre. C'était Roufna, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Abonne-toi à ma chaîne, à moins que ce soit déjà fait. Et si c'était le cas, je tenais à te remercier. Et même si les temps changent, on ne va pas se laisser aller. On regarde des vidéos, car de façon on est confiné. Et si t'aimes bien le rétro gaming, sache que t'es le bienvenu. Et si tu connais...